Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Breath of Fire auquel j'ai pas touché depuis 3 semaines parce que le boss m'ennuie très très fort. Du coup, je vais faire le rapide résumé pendant que j'y vais en espérant que ma technique fonctionne. Dans le dernier épisode, j'ai trouvé une clochette, j'ai exploré le monde et ses alentours, un monde qui est extrêmement grand et je dois actuellement retrouver un Oompa Loompa pour l'échanger contre l'homme herbe du chapiteau. Ou bien je dois donner 1 million de dollars et j'ai pas très très envie. Sauf que le Oompa Loompa qui se trouve ici, et ben il y a un problème, c'est que c'est la triplette de la mort. La triplette de la mort, à savoir le monstre principal. Une personne qui lui fait du soin et une personne qui fait des dégâts. Et la technique que j'ai vue sur la version pâle, c'est que la différence qu'il y a, parce que j'ai passé 2 heures à XP quand même, c'est que sur la version pâle, quand ils sont à ce stade-là, son groupe est niveau 30. Je vous laisse voir où est le problème. Je le redis encore une fois, mais messieurs, dames, dans la version française, allez vous faire foutre. La localisation française. Du coup, la technique actuellement, c'est de 2-1. 2-1, oui. Détruire les deux personnages là. À savoir que celui d'en bas là fait du dommage. Celui-là lui rend 100 à chaque tour. Et la grosse connerie là, bah, c'est le boss principal. Donc, il faut faire ça. Sauf que, à chaque tour, il y en a un des deux qui revient. Évidemment, tous les tours, je me prends un éclair. Un éclair, c'est environ 30 de dégâts pour tout le monde. Je vous assure que c'est très très gênant quand à peu près 30 de dégâts, c'est un quart de vos points de vie. Du coup, bah, il faut qu'il y en ait un. Il faut qu'il y ait une personne de votre groupe bah, qui attaque. Ah oui, puis il y a ça aussi, je me prends du 50 de dégâts. C'est génial, c'est vraiment super génial, ma vie est incroyable, j'aime ma vie. Du coup, bah, je me débrouille là actuellement, je n'ai pas envie, je n'ai aucune motivation pour ce boss. Je vous le dis, vraiment. Je n'ai aucune envie de faire ce boss. Allez, feu. Nina, un sort. Tiens, bah défense moins que je rigole. Kat va se soigner. Et bah j'attaque. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment passé 2 heures à XP. Et en 2 heures, j'ai dû faire prendre 3 niveaux à peu près pour tout le monde. Parce que c'est long. Je peux, sans trop me vanter, sans trop hésiter, que ça doit être le boss le plus chiant actuellement. Je pense que là, il y a un message de la version de la localisation faire qui me dit « Attention, là, tu vas pas y arriver. » Là, franchement, non. On a envie de t'ennuyer. Ah, la défense qui passe. Donc, attendez, parce qu'il faut aussi que je calcule. Il faut que je calcule aussi à quel moment je dois rendre des points de vie à tout le monde. Et ça, par contre, on ne me le dit pas. Je tente de baisser l'attaque. Et botch, bah écoute, si tu survis à l'éclair, bah oui, parce que l'éclair est prioritaire à chaque tour. Ouais. Et ça fait mal. Alors c'est l'éclair en plus de l'attaque principale du boss. Hein. Parce que non, il n'y a pas de concession. La concession n'existe pas. Voilà. Donc là, je sais qu'il va y avoir 100 points de vie qui vont lui être rendus. Et donc je me dis, est-ce que c'est à ce moment-là que je rends des points de vie à tout le monde ? En gardant en tête qu'il faut que je mette des dégâts.
c'est compliqué. Par exemple, ce que je peux faire, c'est que là, je sais que 4, elle lui reste des points de vie à 4. Ok. Donc 4 déjà. Non. Prio attaque. Sûr à 100% de faire plus de dégâts. Et Nina et chacun vont donner un objet. Enfin, vont soigner les plus faibles. Kat va se soigner. Enfin, va soigner Botch parce que Botch a 0 points de vie. Et Botch va utiliser son sort. Il a soin 2 normalement pour soigner Kat. Je crois que juste soit 1 pour Kat. Ah, bon, elle se redonne des points de vie. La RNG. Le combat va être très long. Et je pense qu'à un moment, je vais me taire parce qu'il n'y aura rien à dire. En tout cas, j'espère que pour vous c'est le fun. Hein, je sais pas comment rendre ça plus intéressant. Si ce n'est que ça va pas être très intéressant. Parce que là, c'est surtout un combat de stratégie qui va être très long, qui va se baser beaucoup sur la durée. Bon, on m'a touché la bonne personne. Ah là, par contre, il va peut-être y avoir un mort. Ok, donc là normalement j'ai un tour, j'ai gagné un tour, je sais pas comment j'ai fait. Là, faut que je réfléchisse. Je vais attaquer. Nina va. Ouais, tiens, froid. 4 par contre, j'ai un plan par contre. Normalement je dois avoir un objet, j'ai une noix.
Ça me fait chier, mais je vais utiliser un noix pour retenter une transformation. Et bot, je vais utiliser un sort. Un sort soin. Ouais, un soin 2 sur Nina. Ça peut fonctionner. Là, j'ai gagné un tour, je sais pas comment j'ai fait. J'ai perdu par contre de la vie. Possible que je meure. Et là, Ryu va se transformer en feu. Pendant que Nina va utiliser le sort flamme. Ouais. 4 attaques. Et... non. Non, non, non. 4 soigne. Et botch attaque. Ou alors c'est Nina. Ouais, c'est ça. Nina donne le soin. 4 attaques, botch attaque. Parce que je me prends l'éclair. Gros combat. Grosse ambiance. Oh, c'est marrant. C'est MDR, ça. Fils de con. Fils de con. Bon. Nina, je veux même pas savoir ta vie. Je veux même pas savoir ce que t'en penses. 4 attaque. Ouais, et botch va utiliser. Putain, une herbe de vie quand même. Une herbe de vie. Mais bon, pas le choix, pas le choix. Et elle est même pas morte, cette salope. Bon bah Nina elle va mourir au prochain tour si ça continue. Hein. Ryu attaque Nina. Un soin sur toi. Kat va attaquer. Non. Nina, un soin sur... Oui, non, sur Nina, au prochain tour, ce sera sur Kat. Kat attaque et Poch attaque Suki. Ça devrait passer, j'espère. À moins qu'il attaque un de mes trois gars et que ça va m'énerver. Critique, trop bien. Oh là là, cette luck. J'ai gagné un tour, je sais pas. Oh, cette luck. Là, j'ai énormément de luck. J'ai une luck de bâtard. C'est la deuxième fois que j'ai de la luck. 4, tu vas te soigner. Direct, j'utilise tous mes soins et Botch va se soigner aussi. Un sort, ouais, un soin 2. On va essayer de voir extrêmement large. Parce que je crois même pas qu'il réussisse à. Oh, un critique! Putain, la luck que j'ai actuellement est. C'est une très bonne luck là. Ah ça par contre non. Ça c'est pas une luck du tout. Riposte. Oh putain ça y est. Ouh. Oh là là. Ok. Normalement ça passe. Mais je vais temporiser quand même. Je prends pas de risque.
Normalement, ça passe et Rio ne meurt pas. Oh putain, 15 minutes. 15 minutes. Je viens de faire un quart de la vidéo. Je ne quitte pas le combat, c'est mort. Oh la vache. Oh la vache. Bon bah ça y est. Toute cette stratégie. Cette stratégie. Oh là là. Oh là là là. Bon. Un problème de réglé. Passons au doublage. Ah la méta qui n'est pas. Et destruction parce que tu m'as énervé. Alors, je prends ça. Ah bah je le prends. Je prends tout. Vas-y, je te vole. C'est quoi? Si vous attendez un petit moment, le fruit redeviendra mûr. Je prends tout, je prends tout. Rien à faire, je prends tout. Je prends tout, je me fous. Je m'en fous, je m'en fous, je prends tout là. Tellement fort. Et en fait, ça se trouve, c'est en deux parties et je le savais pas. Oh là là, je me suis vu mourir une fois. Pour pas vous mentir, j'ai fait deux essais avant maintenant. Jusqu'à ce que je trouve cette stratégie où il faut temporiser. Semble-t-il que ça ait marché. Tant mieux. Donc, les cartes du monde explorées, comme dit précédemment, il y a 15 minutes. Elle est grande. Oui, bah c'est de l'eau. Alors maintenant... Comment je fais? Parce que j'ai des fruits, ok. Ok. Si je lui donne le fruit, est-ce que ça lui convient? De toute façon, c'est soit c'est ça, soit je regarde la solution. Combien j'ai de thunes d'ailleurs? Je sais plus. Mais je vais aller me soigner dans un premier temps. Ah bah cool, pile au sud. Pile poil au sud. Donc, on va déjà aller se soigner avant de faire quoi que ce soit. Très content d'avoir réussi ce boss. Vraiment très content. Du coup, je vais aussi aller sauvegarder. Mais quel boss quand même. Boss de mer. Ah oui, et je pense que cette vidéo, vous la regarderez mi-mai, si tout va bien. Oui, vers le mi-mai. Pour ma part, le déconfinement, enfin, genre au travail plutôt, donc j'appelle ça le pseudo déconfinement. Combien? Putain, 50 balles, c'est chaud. Oui, donc le rythme des vidéos normalement est de alors, normalement, a été de 2 par semaine. Si j'arrive à garder ce rythme, tant mieux, mais ça ne durera pas. Petite sauvegarde, petite save, oui, oui, oui. Je crois que la save est là. Oui, Saint Eva. Alors, j'ai appris un truc avec Saint Eva. C'est que, à un moment dans l'histoire, vous pouvez faire un don. J'ai fait quelques dons. J'ai dû en faire 2 ou 3. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'on fait, me semble, pour 3000 balles de dons, on obtient un objet qui va nous permettre, à un moment, de nous aider pour le boss de fin. J'ai combien? J'ai 7, mais je vais donner encore un peu. Donc là, techniquement, je pourrais avoir cet objet. Alors, c'est a priori hein, sur les wikis anglophones. Enfin bon, ça ne coûte rien d'essayer. Je suis certain même que très peu de personnes ont réellement donné de la thune quand ils étaient gamins à ce monsieur parce que bah on sait pas ce qui se passe. Bon. Ah, le merde n'est plus populaire. Il va être mangé par un démon. Ouah, 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 je veux. Voilà, oh là, le prix n'est que de 100 balles, bande de fils de salauds. Allez, oui, laissez-moi passer, merci.
Mais j'ai un Oompa Loompa. Si c'est pas ça, bah je vais pas être content. Et puis je vais tout casser. Et d'autres mots pas très très sympas qui vont sortir de ma bouche. Hein. Alors, allez-vous apporter l'argent ou pas ou pas? Ou pas ou pas? Imbécile, vous ne l'avez pas. Vous... Ah, donc il fallait autre chose. Est-ce que c'est toi qui vas me dire comment? Bah non, tu me parles pas, salaud. Ok, et ben dans ce cas, c'est le moment triche. Allez, moment triche. Alors, selon la Solus, évidemment, parce que moi j'aurais été trop con pour deviner. Hein, c'est, ça aurait été trop beau. En fait, le Oompa Loompa il est dans une grotte, mais personne me l'a dit. Ou alors on me l'a dit, mais on me l'a pas répété. Il est dans une grotte vers un pont. Du coup, on va explorer. Je vais rallonger le temps de la vidéo comme un sac. Parce que. Ouais, c'est bien ça. Parce que c'est une bonne excuse, je trouve. Normalement, c'est par ici. Peut-être ou pas. Lol, non. J'ai pas regardé où est-ce qu'il est allé. Ah, voilà. Ici. Fallait que j'aille là. Voilà. Ici. Juste là. Parce qu'il fallait le deviner. Voilà. Évidemment, j'aurais coupé. Et où que je suis long, j'ai hein. Où qu'on est. On est dans la caverne du pas. Mais ça, faut le deviner. Et ouais, j'ai donc, première chose que je vais faire dès maintenant, outre le fait de mettre un petit peu d'ordre, c'est que je vais utiliser normalement une fumée pour m'empêcher d'avoir des ennemis. Comme ça, voilà, comme ça, des ennemis qui pop dans la gueule, et c'est une attaque surprise, du coup, contre ces... trucs... qui ripostent... qui ripostent de manière beaucoup trop forte. Ce qui fait que 4 prochains tours, elle va aller se soigner. Ah mais Nina, t'as des sorts sans deck. 4, tu vas te soigner. J'aurais peut-être dû aller racheter des trucs. Voilà. Peut-être. Je ne vous donnerai pas raison. Waouh, je peux pas utiliser de sort. Non, le dieu. Riposte. Mais cette riposte à 50? Ça pique? Oh bah la double riposte hein. Hein, et c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour eux. Attends sérieusement là? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi pété? Waouh, ah oui. Je vois au nombre d'XP que... Effectivement. Effectivement, peut-être que j'aurais dû, peut-être, hein, me préparer un poids de plus. Bon, de toute façon, j'ai sauvegardé, qu'est-ce qui peut m'arriver? Recommencer? Et vous faire un épisode beaucoup moins long? Oh putain, je vais où? Allez, on va aller là. On va aller là, parce que... Ah, je sens que vous voulez découvrir des trucs. Attaque surprise, ah bah, salut. Allez. Ah, là, attendez, il y a un coffre. Il y a un coffre, je l'ai vu. La triplette. Et la triplette. La bonne triplette, bon. Là, je ne réfléchis même plus, là. Ah, on est sur du mob à plus de 100 points de vie. Très bien, très très bien. Et qui attaque deux fois. C'est encore mieux, dites-moi ça, madame. Paf, riposte, c'est mort. Oh, 4, pourquoi t'as 0 défense? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a un qui meurt, sûr.
2 qui meurent par feu. Ça pique sévère. Ouais, j'aime beaucoup ce donjon. Je sens le boss de fin là, le petit Oompa Loompa là. Il va être délicieux là, je vais le déguster. De vous à moi, j'hésite réellement à utiliser des codes. Alors j'ai trouvé des codes qui fonctionnent, sauf que ça me faisait passer du niveau 21 au niveau 57 en un seul combat. Autant vous dire que si j'avais fait le jeu de mon côté, j'aurais pas dit non. Mais étant donné que j'aimerais au moins le faire devant vous sans tricher, parce que j'aimerais avoir ma revanche sur un certain Golden Sun 2 et son vrai causeur. D'ailleurs, je crois que je n'ai plus ma sauvegarde. Ce qui est dommage. Donc, on va jouer legit jusqu'au bout. Bloqué. Ah, c'est vrai. Elle a plus de sort. Tu es nul et inutile. Oh. Pichette. Pichette. Oh là là. Ah, pour une fois que ça attaque une fois. Je suis pas contre. J'ai obtenu un sou. À quoi ça sert un sou? Oula, ça a l'air chiant comme la pluie ici. Ça a l'air chiant comme la pluie. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais devoir faire un flashback pour me soigner? Ah, je le sens fort. Je le sens très très fort, pas vous. Remarque, c'est un bon endroit pour XP. Vas-y, un d'ordre, c'est combien? C'est 500 d'XP. Et 500, c'est quand même un bon paquet d'XP. Alors, un coffre avec une carte bêtée. C'est pas moi qui le dis. Alors, qu'est-ce qu'un carte bêtée? C'est pas ici. C'est pas ici. Ah, c'est une baguette. C'est un bâton. Plus de dégâts pour 4. Yes. Trop bien. Bon, à plus vite d'attaque, je vais pas cracher dessus. Alors je retiens que orage sur des monstres qui se trouvent dans une grotte humide ne fait rien. C'est ce qu'on va retenir de cet épisode, je pense. Hein. Yes! Dommage. Allez, terminé. Actuellement, c'est le fun pour moi. Là, je m'amuse comme un petit fou. T'as raison, soigne-toi, c'est le meilleur truc que tu peux faire actuellement. Allez, ça passe. Allez. On dit que ça passe. Ça passe pas. Génial! Eh ben ça passe pas, allez au revoir. Eh ben là ça passe. C'est...
C'est bizarre quand même là, ça passe un coup, ça passe pas l'autre coup. Elle a même pas 100 points de vie et je suis sûr que sa défense doit être à une stat tellement basse. Yes, attaque surprise, et bah salut les gars. Allez, même pas vous voir. Allez, dis-moi que c'est là et tout va bien. Salaud. Salaud. Non mais y a pas d'autre mot, salaud. J'ai utilisé une smoke, elle me sert à rien. C'est génial ce qui se passe. Je crois que je vis ma meilleure vie actuellement. C'est le meilleur épisode que j'ai fait. J'espère que vous appréciez. N'oubliez pas le like si tu es d'accord avec ça. Évidemment, c'est sûr. C'est bon, c'est sur Ryu. Et la double peinée. Évidemment. Ah oui. Parfait. Oh, critique. Trop bien. Peut-être que tu vas mourir. Waouh. La double critique. Bon, c'est même pas la peine de compter là-dessus. Même pas la peine, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Oh, c'est fou. C'est d'une tristesse ce qui se passe. Si j'arrive non seulement à survivre, mais en plus à battre le Oompa Loompa, c'est un miracle. Ok, c'est pas un miracle. Hein. Voilà, hein, Nina, au revoir. Bon, et bah ce qu'on va faire, parce que c'est ce qui va arriver, c'est que je vais sortir de cet endroit, faire un aller-retour pour soigner tout le monde, et puis on revient. Du coup, c'est le cut. Ah là là, c'est vraiment allé très vite. Bon, alors, première chose à faire. Ryu a un sort qui s'appelle Fumée. Donc voilà, normalement j'ai activé le sort, donc moins d'ennemis. Absolument pas, arnaque, bravo. Merci Ryu. Putain, qu'est-ce que t'es utile. C'est une incompréhension pourquoi Ryu a le plus de défense. Mais bon, tant qu'ils attaquent que lui, et vraiment que lui, je peux espérer voir le bout de ce jeu et de cette petite cave. Hein, j'espère qu'elle est pas longue. J'espère vraiment qu'elle est pas longue, sans deck. Faites pas les fous. Waouh. C'était nul. Non, on peut dire nul, ouais. On peut bien dire nul. Pour le moment, je le vis bien. Tout ce qui se passe actuellement, je le vis très très bien. J'essaye surtout de me retenir de pas lancer ma manette, de pas être désobligeant. Essayer de comprendre pourquoi la fumée ne marche pas aussi. C'est concept ça, tu lances un sort ou un objet. Quoi? Non, non, pas de sort. J'ai pas pris en compte. Non, tu dois avoir rêvé. Ah non, c'est moi le jeu, je fais ce que je veux. Hein. T'es pas content? Bon bah, écoute, va ailleurs. Je vois autre chose, hein, salaud. Alors, un silence, sûr. C'est bon. Ah oui, la doublette. Elle a esquivé, elle l'esquivera pas. Parce qu'elle est mauvaise.
Heureusement, parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être décéder, j'ai pris une herbe vie. Ça coûte 500 ces conneries quand même. 500 balles. Mais, étant donné que ça réanime full PV, full magie, et vu les monstres que je rencontre, actuellement je peux me permettre. J'en crée une seule. Oui, bon attendez, vous me croyez pas parce que bon là il y en a qu'une, mais voilà, là c'est bon. Allez, go, vite, vite passe la porte. Oh, il y a un couloir. Oh, il y a deux couloirs. Oh, ma vie c'est de la merde. Ok, celui-là ça va être rapide. Je crois qu'il riposte en plus. Je crois qu'il riposte. Mais regardez-moi ça, Nina qui a zéro en vitesse. Zéro. Oh. Ok, donc c'est là où je dois aller. Je le savais. Je l'ai senti à des kilomètres. Une marine. C'est une robe, je crois. Et bah c'est Nina qui va... Défense zéro. Je le savais. Zéro. Zéro. Rien. Bon bah défense de elle, pareil. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Nina, faut qu'elle survive. C'est tout ce que je demande. Ah. Attaque surprise. Oh. Mince. J'ai glissé. Êtes-vous ici pour attraper un Upa-Rupa? Non, non, dernièrement, l'Upa-Rupa est si féroce que vous ne pouvez pas l'attraper. Je t'emmerde. Vous voulez savoir comment attraper un Upa-Rupa? Je vous le montrerai pour 200 balles. Vous le voulez-vous? Allez. Merci. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Premièrement, vous posez de la nourriture devant l'endroit où l'Upa-Rupa se cache et faites demi-tour. Quand l'Upa-Rupa sort pour la nourriture, ne l'attrapez pas tout de suite. Attendez qu'il avale la nourriture et alors vous l'attrapez. Compris? Merci Jean-Michel. Tu m'aides beaucoup Jean-Michel Crapaud. Jean-Michel Grenouille. Je l'avais appelé comment? Je crois que je les avais appelés Jean-Michel Grenouille. Oh silence, c'est le seul sort qui peut me faire. Pour que je respire un peu. Oui, bon soin, écoute, hein, ça me sert un peu à rien, puis bon, voilà quoi. Ça retarde l'échéance, c'est tout. Allez, Nina. Oh, oh la riposte à 50. Ouf, j'ai senti passer, ça pique. Je l'ai bien senti passer même. Allez, Nina. Allez, Nina. Allez, 4, c'est vrai, Nina. Quelle blague! Quelle grosse blague! Ma meilleure vie. Ah, sans exception, c'est ma meilleure vie là. Je pense que je vais finir l'Upa-Rupa. Oh, Nina a obtenu un sort flamme 2, c'est pas vrai? Est-ce que c'est un sort qui va être utile? Ce serait incroyable! En attendant que Botch soigne tout le monde. Parce que Botch ne sert qu'à ça, pour le moment, à soigner. C'est un peu dommage d'en être réduit à ça. Voulez-vous acheter de la nourriture pour Upa-Rupa? J'en ai qu'une, mais je vous la vends pour 1000 balles. Pff, allez, vas-y, au point où j'en ai rien à faire. Merci. Qu'est-ce que je vais acheter, l'autre con? Ça se trouve, je vais acheter un truc à la con. Ouais, voilà, j'en avais 5, mais bon. Écoutez, hein, j'ai 6 essais. Est-ce que c'est large? Je pense que oui. Alors, tout le monde est à peu près à 100% point de vie. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, quelque chose est caché dans le trou. Voulez-vous poser un fruit à roue ici? Oui, Ryu pose un fruit à roue devant le trou. Et je me barre. Oh là là, oh là là, je m'en vais. Oh non! Ah merde, raté.
Je vais retenter des trucs alors. Oh non, non, je m'en vais. Je suis caché. Salut. Voilà, presque. Go. Attends. Ah. Ok, on va le faire autrement. Ah non, il l'a pas encore bouffé. Maintenant. Raté. Mais je suis parti là. Et je suis parti. Je suis parti là. Je suis plus là. Je suis parti, monsieur le juge, là. Ah, je l'ai eu là. Ah, je l'ai eu. La chasse au haru haru est vraiment super chiant. Là, je suis parti. Ah ah, je t'ai eu, salaud. Allez. Alors, toi, tu de... tu... Non, c'est ça. Non, non, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Tu meurs. Tu meurs. Tu décèdes cordialement. Oui, riposte. Ah. Ah. Tu meurs. Tu meurs. Je vais voir ta gueule. J'en ai marre. Paf, 3... Oh, 300. Attends, comment ça 300 de dégâts? T'as un boss? Ah, mais... Riposte. Des ripostes à 40. La double riposte. Oh, ah, vous le sentez vous aussi? La bonne riposte, c'était qui fait mal? Pardon. Excusez-moi, j'ai... Quoi? Quoi? Attends, c'est ma tête sérieuse, ça, quoi? Bon. 4, 4, hein. Hein, je sens que t'as besoin d'un objet. Botch, tu vas crever. Botch, tu vas crever. Au pire, si tu crèves, écoute, hein. Bah, tant pis, hein. Ouais, j'ai gagné. Yes, j'ai gagné. Allez, tu viens avec moi. Essaye de vous dire quelque chose. Laissez-vous peur ou pas en liberté? Non! Je me fous de toi, de toute ta famille. Ah, bah y'a plus rien. Donc, maintenant. Nina, ma petite Nina. Ma petite Nina. Ma, Nina, Nina va. Nina! Nina, on se connaît. Je t'apprécie. Mais quand un sort qui s'appelle Sortie, comme son nom l'indique, est-ce que ça ne servirait pas pour sortir d'un donjon? C'est une supposition que je suis en train de me faire là. Parce que quand même là, c'est, tu te fous de moi. Si tu te fous de moi, si je décède, si tu décèdes, je vais t'en foutre une.
Ouais, trop bien ce qui se passe. Attends, quoi? Un sort de feu fonctionne sur un animal aquatique? Si. Pardon. J'ai pas du bien à comprendre le... Est-ce que vous comprenez le sens du mot aquatique? J'ai pas cette impression. Moi, j'ai l'impression que vous vous foutez de moi. Allez. Allez, on y croit. Voilà, allez. On y est presque. On y est presque. Allez, ça va le faire. Moi, j'y crois. J'y crois toujours. J'ai toujours cru. Y a pas de raison à ce que je n'y crois plus. Regardez. Une sirène. Voilà. Ça s'est très bien passé en plus. Regardez ça. Moi j'y crois. Moi j'y crois, regardez. Allez. Parfait. Parfait. Allez. On redescend. J'ai toujours cru. J'ai jamais douté. Pas une seule fois. Et vous savez aussi de quoi je ne vais pas douter. Que cette vidéo va se terminer dès que je reviens sur l'île et que je sauvegarde. Alors sur l'île qui n'est pas là où je dois aller, hein, évidemment, parce que trop d'action, trop d'émotions, vous comprenez. C'est pas là, c'était un poil au-dessus. C'était un petit poil au-dessus. Petit poil au nord. Non mais je vais me repérer avec cette carte. Voilà. C'est là où je dois aller. C'était là où je devais aller de toute façon. Tout est calculé, tout est prévu. Tout va bien. Du coup, moi, tel un bon personnage que je suis, je vais aller me reposer. Je vais aller sauvegarder. Et puis, on va se laisser là pour cette session éprouvante. Où je suis pas loin de jeter une manette à travers une fenêtre. Je pense que c'est possible. Avec pas mal de force, ouais. Bien. Sur ce, merci à vous tous d'avoir supporté, hein, je pense que le bon mot c'est supporter, cet épisode jusqu'au bout en espérant qu'il vous ait plu, hein, le boss là de pour les UPA là, les fruits Haru, ah je le sens encore. Bien, j'espère que vous avez, si vous avez des techniques ou des strats, hein, pour l'expérience et l'argent, je suis preneur. N'oubliez pas bien sûr tout ce qui est like, commentaire, abonnez-vous pour la suite des vidéos. Je suis actif sur Twitter et Instagram où j'annonce pas mal de trucs, notamment sur la sortie des vidéos et sur ma vie. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.